Chef. Dis-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Le style. Oh, tant pis. Oui, style. Tu me dis, on peut pas te parler, mais oui, style. On terminera plus tard. Allez. Il a copié ton flow, lui. Il a copié ton flow. Un Linin confirmé pour se battre là. Quoi? Un Chunin. Alors, c'était comment la oui. guerre? Ouais, bah c'est. Ah, ok, viens, viens, viens. La guerre, c'était comment? Merde. Les gars, clic droit, ça marche pas, frère. J'avais donné bas. Non, non, c'est vrai. Bas et. Et haut. Ouais, Tu mais. fais muscle gauche pour jeter. Ah, ok. Ça pas marché. Bah, tu l'as eu? Chef? Désolé du pressing, hein. Non, non, t'inquiète, Mais tu les as eu? bon. Alors attends. Il me manque le bas. Ouais, Allez, c'est bon. nickel. C'est bon? Je peux respirer? Ouais, c'est bon, tu peux Ah, je rigole, je respirer. rigole, je Attends, rigole. Tu lui as lâché la gueule en plus? Prochaine fois, c'est les taxes. Moi, on me surnomme l'URSSAF de Konoha. Mais on vient de faire la guerre déjà. En plus, il y a encore ma sueur dans les armures. Tu me les as récupérées direct. Ah, mais Est-ce que tu c'est veux pas que maintenant on maintenant fasse les présentations? les taxes. Ouais, pourquoi pas. Comme ça, on se connaît. Pourquoi pas, pourquoi pas. Yosuke Abara, enchanté. Shumazaru, De la enchanté. section médicale. J'ai pas de section. Vu que je suis beau, Dis-moi, gérant de la production pourquoi tu ne médicale. serais Pendant pas la guerre. médecin, tu aurais pu rentrer dans la section. Ça aurait été sympa. Un Uchiwa en plus, c'est toujours bien. Ah non, je préfère me battre au cœur du terrain, moi. Ah, pas au cœur du terrain, ça veut pas dire que vous battez pas au cœur du En tout terrain, cas, t'as mais. bien combattu. Mais C'est ouais. bien. Il est revenu. Plus un esprit Pour une première destructeur guerre. que En salvateur. plus, il y avait de lourdes conséquences. On aurait pu se rattraper. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça m'a paru assez simple comme guerre. Ah bah, sache que si nous avons toujours une stratégie comme ça pour les premières guerres, nous sommes obligés de gagner. La stratégie, c'était juste d'avancer. Ça a bien marché en soi. Tu vois, on a beau se foutre de la stratégie qu'on nous a montrée là sur Et le puis, je garde sur le petit ton truc là. Je équipement, suis désolé, t'inquiète c'était pas. bien. Quoi? Quoi, fallait que je garde mon Bah, je le équipement? garde. Dans tous les cas, les bas gradés comme les hauts gradés, vous avez fait du bon taf. C'est normal, merci. C'est pour ça qu'on Mais est moi, content de vous. le T2, Dans tous les je cas. l'utilise, moi. Moi, je le Tu m'as prête donné parce que je T2, suis non? mon père. Si, j'ai joue le Tu m'as T2. donné Et pourquoi quoi en tu me fais le T2? rat Tu m'as maintenant, donné toi? quoi? Jutsu. J'ai dit tout pour. Ah, moi, j'ai rendu mon À équipement. moi? Et j'avais Non, j'ai un rien dit. T3 pendant Allez-y, Oh, allez-y. j'ai rien dit, le T2, je l'ai Bon. gardé pour. Ouais, t'inquiète. Y'a quoi, y'a un entraînement là-bas? Je vais voir. La technique tu les ai. Salutations, tu es un guénin? Mère respect. Donne-moi Mère respect. Pardon? Médical. Attends. Attends, je vais écarter, j'entends. Enlève l'armure. J'ai pas déjà enlevé? Ah, t'as raison. J'ai plus aucune raison de l'avoir. Salutations! Oh, tu t'es bien battu. Merci, merci. T'étais à la guerre? Bravo. Attends, je vais m'écarter, moi. Ça bug, t'es allé où, frère? Je trouve un Chunin pour me battre là. Excuse-moi, je cherchais un Chunin pour m'entraîner. Tu m'as dit quoi? Vous êtes Chunin? Pas t'es Chunin? Ah, ça va mieux là. Chunin. Oui, ça va On mieux. peut s'entraîner? Du coup, je Est-ce disais. que vous... Non, Je moi je suis fatigué là. Ah, sais pas de même soucis, pas de faire soucis. une technique. Est-ce que vous le connaissez? Vas-y. Oh là là. Ça, c'est sûr là. On va se balader, il y a peut-être quelqu'un qui s'entraîne là-bas, frère. Quelle est la vraie? Il va dormir le frère, wesh.
Excusez-moi. Oh mon frère. Ouais. Ouais, je cherche un partenaire d'entraînement. Ah, je parle comment? Je peux pas parler, frère. Ah, tu veux t'entraîner? Ouais. Bien. Super. Très bien. Est-ce que tu as pris du jutsu? Non, je n'ai rien appris du taijutsu. J'en ai pas encore eu besoin. Mais tu sais que c'est vraiment important. Je passe mes journées entières à m'entraîner avec tout mon groupe de taijutsuman. Et bien sûr, il y a une fille, une taijutsu girl. Bien sûr, bien sûr. Non mais je ne maîtrise pas le taijutsu, j'ai prévu de m'entraîner, mais pour l'instant, je me suis concentré sur mes ninjutsu et mon kenjutsu. Ah, ouais, je comprends. Tout le monde n'aime pas forcément le taijutsu, mais moi, j'adore ça. Et tu es super fort? Je me débrouille. Dans mon groupe de taijutsu, je suis le deuxième plus fort. Tu es chunin ou genin confirmé encore? Non, je suis Genin confirmé. Ah, pareil. Je suis passé dans la même mission que toi. Ouais, je pensais que t'étais passé Chunin après. Ah non, j'attends l'examen. J'ai hâte de le passer. Et je veux absolument le réussir. Si je le réussis pas, je vais être très triste. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai pu aller à la guerre aujourd'hui. Quoi? Ouais. Attendez, t'as été à la guerre? Ouais. Attends, je... Attends, on va pas parler ici. T'as déjà été sous la grotte? Sous la grotte? Ah, t'en fais pas. Allez, suis-moi. Allez, je te suis. Y'a quoi là-bas? Détail du Tsuman. Enfin, ah, c'est ici la grande détail du Tsuman. Mais elle est pas vraiment à nous. On dit que c'est à nous, mais tu sais, ça part tout bien. Elle existe depuis longtemps cette grotte. Oui, bien sûr. On s'entraîne tous les jours ici avec mes camarades. Oh. Ici, c'était l'ermite serpent qui se transforme en Genin de Konoha pour. Comme Orochimaru, il faisait quoi. On s'entraîne ici? Ok. Voir de quel point tu te chauffes. On verra ça. Ok. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit je serais pas très gentil. Alors prépare-toi. Très bien. Moi non plus. On commence quand? Là maintenant faut juste que je... Ok, tu te déplaces bien. Tu es rapide. Attention réflexe. Ah, tu te bats bien aussi. Il a pris aussi peu de dégâts, frère. Ninjutsu te sauvera pas. Ah ouais, t'es sûr? Tu ressens pas cette brûlure?
Et toi, ce que pas. Non. Merde. Ah, j'ai raté. Fais l'esquive. Ça brûle, ça va brûler. Heureusement que j'ai ma copie. Comment ça ne t'a pas touché? Je sors des flammes. Goûte mon sabre. C'est bizarre. C'est pas bien. Je vais attendre qu'il commit. Coups sont passés précis. Non. Je suis très rapide. J'arrive plus à le toucher. J'arrive plus à te toucher. Ok, avec mon sabre. Attention à toi, je suis le disciple de Ryu Arisu. T'as pas touché. Tornade de Konoha. Putain, il m'a botté, frère. Comment j'esquive le taijutsu, frère? Relève-toi. Bien battu. T'es bien battu aussi. Comment j'ai pu perdre? Attends, frère. C'était un beau combat. Allez, bon combat. Comment j'ai pu perdre contre quelqu'un qui n'utilise pas le ninjutsu? Ni le kenjutsu. Ah, tu sais, c'est ça le problème. Personne qui n'utilise que le ninjutsu. Vous ne faites pas assez confiance au taijutsu. Alors que tu ne débases également. C'est vrai. C'est très important. Et quelle technique conseilles-tu de m'apprendre? Je peux t'apprendre la bourrasque de Konoha et la tornade de Konoha. Mais quelles sont les particularités des deux? Ah, très bonne question, regarde. Avec la bourrasque, je te cogne un peu, je t'étourdis. Je tape un peu dans ta boîte crânienne. Tu es étourdi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Coup de pied avec le talon, droit dans la tête, paf! Ouais, je vois. Pour la tornade, c'est autre chose. Tu prends un peu d'élan. Il ne faut pas hésiter à sauter. Saute et gros coup de poing. Ok. Elle est beaucoup plus dure à maîtriser. Qu'est-ce que... Tu ne t'attendais pas à ça. Quel est ce ninjutsu? C'est le ninjutsu de la lévitation. Là, t'es en position de faiblesse. Tornade de Konoha. Oh, ah ouais. Ça fait super mal. Ouais, je sais. Bon. Maintenant, il y a une condition pour que je t'apprenne ces deux attaques. C'est quoi la condition? Tu dois porter la même tenue que moi. Pendant un petit moment, bien sûr, le temps de l'entraînement. Juste le temps d'entraînement? Ouais, et si tu veux, on reste ici, comme ça personne te voit. Ok, parfait alors. Mais c'est important de porter la tenue. Très bien. Ok. Ça me va. Ça tombe bien. J'en avais caché là-bas. C'est que pendant l'entraînement, les mecs. Il a des yeux bizarres de fou, frère. Je croyais qu'il allait revenir. Je suis trop matrixé, les gars. J'ai cru qu'il allait revenir en ermite. Ilioche. T'arrives à trouver? Je crois que c'est celle-là, ouais. Ouais, ouais. Ah, le
flop. Wow. Et voilà. Alors, tu te sens plus rapide maintenant? Ah ouais. Wow. Pardon, désolé, c'était juste pour m'échauffer. Attends, reste derrière moi. Y'a un homme vraiment pas discret qui vient nous... Qui ça? Bizarre. Tu as vu quelqu'un? Il vient de rentrer avec un masque. Mais il nous a regardé. J'ai vu quelqu'un passer aussi. C'est peut-être juste quelqu'un qui passe par là. Bizarre. Mais, qui... y'a quoi là-bas? Bizarre. Au fond du tunnel. Question, je suis arrêté qu'ici moi. Mais on peut aller où tu veux. Non, continuons l'entraînement plutôt. Ok, ça marche. Bon. C'est très simple. D'abord, il faudra renforcer ce pied. Ok. Le pied que t'as essayé de me mettre était réellement ridicule. C'est vrai. Et n'oublie pas, toujours en position de combat. Viens là. En position de combat. Tu vas essayer de détruire son rocher avec ton pied. Enfin, un petit peu. Des petits bouts, quoi. Regarde ça. J'ai l'épisode d'Elascar où le mec met des coups de pied dans la barre de fer. Bourrasque de Konoha. Oh ah. Ouais, je sais. C'est cool. Oh. À toi. Ok, je vais me concentrer. Très bien. Bourrasque de Konoha. Ah ouais. Il y a un petit caillou là qui est tombé. C'était quoi ça? Ah, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, la bourrasque de Konoha. Plus fort. Ok. Je vais concentrer ma force dans ma jambe gauche. Vas-y. Merde, ça a pas, c'est pas affiché. Ok. 3, 2, 1. Ah! C'était mieux. Merci. Ok. Vous êtes une question de concentration. Attends, allez. Quoi? Tu veux que je te frappe? Vas-y. Mais t'es sûr? Je travaille les abdos. Allez, frappe. Ok. Ouais. Ok, je vais pas tout concentrer dans ma jambe gauche, je risque de te tuer. 3, 2, 1. Ha! Ça va? Désolé. Ouais, c'est bon. Ça va, ça va. Un taijutsu man, ouais. Normalement, t'es habitué à prendre des coups. Ouais. Ouais, est-ce que, j'ai l'air d'avoir souffert? Non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Regarde-moi. J'ai le smile. Ouais, c'est... vachement doué. C'est vrai que t'es tout le temps souriant. Regarde-moi. Compte. Oui. C'est vrai que t'es très très souriant. Imbécile. C'est... ouais, je sais. J'adore la vie. Bon. C'est sans de regarder mon sourire. Ouais, tu tapes fort. Ouais, t'as jamais fait de taijutsu? Non, jamais. À vrai dire, si je veux être honnête avec toi, je n'osais pas te le dire parce que je voulais pas te manquer de respect, mais j'ai toujours méprisé cet art. Tandis que le ninjutsu et le kenjutsu étaient... pour moi... les plus puissants. Mais un jour, j'ai goûté au taijutsu d'un de mes frères. Et... comment dire? Il m'a fait revoir la question. Il m'a fait revoir toute mon interrogation sur le taijutsu. Et aujourd'hui, je reconnais que le taijutsu est très puissant et c'est pour ça que j'ai envie de l'apprendre. Bien, bien. Quel est ton frère? Je le connais peut-être. Non, pas mon frère, c'était mon cousin.
C'était... Putain, Konji ah. Koji Kojin, pardon. Kojin. Kojin Uchiwa ? Ouais. Attends, mais quoi ? T'es un Uchiwa ? Non, non, c'est juste mon cousin. Ah, fou ! Non, 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 bah non. Tu m'as fait peur. Sinon, j'aurais eu les yeux rouges. Et en plus, un Uchiwa contre un Taijutsuman, tu n'aurais eu aucune chance. Parce qu'avec l'aide du Sharingan, j'ai appris que... Ouais, les Taijutsu... Le Taijutsu est très nullifié par le Sharingan. Heureusement pour toi, je n'ai pas le Sharingan, je suis pas Uchiwa. Ah, tu m'as fait peur. Sinon, j'aurais été très triste. Je me serais dit que j'aurais jamais pu... Pourquoi ? T'as un problème avec le Uchiwa ? Pour le prochain entraînement. Ah non, justement. Je suis un grand fan. Mais bon, j'ai pas envie de paraître pour... tu sais... Non, fanatique. Ce genre de choses. Ah, okay, du coup, je reste dans mon coin. Très bien, très bien. Ah non, je les respecte trop. Ils sont forts dans tous les domaines. Moi, je suis fort quand t'as Jutsu. Je suis même pas malaxé mon chakra. Après... Enfin bref. Mais vous excellez dans un domaine que d'être nul partout. Enfin bref, continuons l'entraînement. Ça, c'est vrai. Bien. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. T'es fort en équilibre. Comme t'as pu le voir, je sais l'éviter pendant quelques secondes, donc je pense que oui. Ok, moi je vais voir ça. Je vais te chercher un petit tronc qu'on a laissé pour nos entraînements. Ok, très bien. Tu vas faire un test d'équilibre. Ok, je m'échauffe en attendant. Ne bouge pas. Ça sent le guet-apens. Sa tête, elle est bizarre, les mecs. Hein. Oh, y a vraiment un tronc qui arrive. Orochimaru, il se faisait passer... Il s'est transformé, hein. Bah non. C'est un admin, il va chercher les trucs. Ouais, je sais, mais... Je sais pas, il y a un truc louche que je trouve. Ah, pour l'instant, il y a rien de bizarre, pour l'instant. On fait juste l'entraînement. Mais c'est juste dans sa tête, quoi. C'est Connie qui fait l'ermite, ouais, je sais. Ok. Ok. Fou. Hey, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. C'est super fort. Bon, monte dessus. Ça va être dur, chef. Ah ouais. Ouais, je vois ça. Ouais. Et comment tu fais pour monter dessus? Bah, j'arrive pas à m'accrocher. Ah ouais. Ah ouais, attends. Voilà le travail. Bien joué. Ok. Maintenant, tu vas tenir sur un pied. Ok. Vas-y. C'est bon ? Ok, c'est bon. Et maintenant ? C'est quoi ce bruit, frère ? Fasse des slash me.
Crash. Ah ouais, je suis trop con, là. J'étais là en train d'envoyer des... J'ai crash. F10, retry. Ah, vous connaissez toutes les commandes, frère. Je suis tout le seul, je suis le seul à avoir crash. Ah non, il m'a dit reboot. Vas-y, les gars. En attendant, j'arrive. Ça va prendre, je pense, 5 minutes. Je fais une petite pause, j'arrive. Je vais prendre un petit truc à graille. Petit encas. J'arrive à la team.
En vrai, quand j'y repense, les gars, sur du Gmod, un jeu qui date des années 2000, sur du Gmod, un jeu qui date vraiment de l'époque, c'est une dinguerie ce qu'ils ont réussi à dev. Genre la guerre et tout, là, on était tellement. Il y en a, ils s'attendaient vraiment à un Budokai Tenkaichi en combat, mais. Attendez, je vais relancer le jeu parce que moi ça marche pas. Il m'a dit que c'était bon. Avec le SFX des sorts, même les visages et tout. Là, tu vois, son visage, il est altéré, donc je pense qu'il y a un truc bizarre avec sa tête, mais. Quand ils vont sortir le nouveau moteur. Ouais, mais quand ils vont sortir le nouveau moteur, frère. C'est dire le potentiel d'un MMO Naruto avec un vrai budget. Frère, c'est des monstres, là. C'est bon. Bon, je crois. En tout cas, je prends grave du plaisir, les mecs. Et encore, c'est que le début, hein. On n'a pas fait de capture. On n'a pas, tu vois, on n'a rien développé encore. J'ai pas mon Sharingan. Au tout début de l'histoire avec le serpent. Uchiwa. Il n'y a pas de style actuellement, j'en peux plus aussi, Merde, putain. faut que je bombarde, frère. Laissez-moi vivre, j'en ai marre d'aller dans mon dortoir. Non, c'est bon. Il est où, Bonne soirée, Puma. Je pars m'entraîner. Il parle pas, les gars. Ta grand-mère, je peux pas savoir, wesh. Oh, c'est reparti. Mort. Faut que tu me repasses la tenue. J'ai dû l'enlever quand je suis parti Ouais. pisser. Parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Ouais, normal. Pas donné de couche? Ah, vous mettez des couches les tailles du souvent? Bah, bien sûr. Et comment on s'entraîne sinon? C'est vrai. On va aller au fond de la grotte, les mecs. Pas oublier la musique de fond. Ah ouais, c'est vrai. C'était pas dérangeant en vrai. Il va falloir réussir le saut encore, je suis Tiens. terrifié. Merci. Et voilà. Vas-y, tiens-toi à pied. Je te regarde. Wow. Ok, on va voir si t'arrives à tenir. Ok. Attends, c'est lui, Makakentaku? C'est Slash Roll. Ok. Tu tiens bien? Ouais. Ça va.
ça va, tu tiens bien, allez. Ressaisis-toi, tu vas pas tomber, je suis là, okay, si tu tombes, je suis là. Ah, t'inquiète. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Ok. Ne bouge pas. Tu vas me sauter dessus. Ok. En prenant appui sur ce même pied, et tu vas mettre un gros coup de poing dans ma gueule. Ok. Vas-y, je te regarde. Attends, je vais me concentrer. Allez, vas-y, saute et mets-moi un coup de poing dans la gueule. Ça va? Pas mal. T'es sûr? Désolé, ouais, c'est bien pour un début. Je t'ai cassé le nez? Non, t'inquiète. Je voulais pas te casser le nez, désolé. Non, t'as fait rien. Ok. Ça va aller. Ok. Il est trop fort, wesh. Ah ouais, t'es vraiment fort en fait. Ouais, ça doit être. Je pense que j'avais ça dans le sang, c'est juste que je me suis jamais entraîné. Peut-être que j'avais un talent pour le taijutsu. Ah ouais, plus qu'un talent. Putain. Attends, je vais essayer. Ok, bouge pas. Ok, je bouge pas. Oh putain, ça fait mal. Ça fait mal. Et puis, petite, je crois que tu m'as brisé la mâchoire. Oh merde. Oh putain. Bouge pas. J'ai dit ramène au bacon périmé qui traîne là-bas. La différence de doublage. C'est quoi cette voix de Golemon? Il se bouche le nez. Bon, c'est plus très très bon, mais... Ah, ok. Mon maître adore le bacon. T'es sûr que ça va régler mon problème? Ah ouais, non, t'as pas fort, t'es juste blessé, merde. Merde. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète, ça va aller, ça va aller, ça ira, je me sens déjà mieux en vrai. Oh putain, merde. Écoute, ok, je vais gérer ça, ok, bouge pas. Ok, bouge pas. Je bouge pas. Peut-être que si tu me remets un coup, ça va la rendre. Ok, c'est bon. Ok, bon. Ramène le bacon pour moi. Hop là. Ah, tu peux y aller. Ok. Wouhou. Wow! Mais il est passé où là? C'est oh, parti t'inquiète. Où? J'ai juste désintégré. Wow. Mais je suis trop cool. C'est trop cool, quelle puissance. Bon. T'as l'air d'être vraiment... Oh! Attends, viens voir. Je sais ce qu'on va faire. On va faire quoi? Il y a des matériaux. On va pas négliger ça, quand même. Ouais, c'est vrai. Y'a des matériaux ici? Attends, c'est quoi? Oh! C'est un jutsu! C'est un quoi? Prends-le! Moi, j'en ai plein. Bon, c'est du T1, mais très cool. Ouais, c'est vrai. Sympa pour nous. Ce qu'on avait pendant la guerre. Bon. Viens voir. Je vais te présenter un type d'exercice bien différent. Je vais me présenter un chip. Je te suis. Ok. Bon. Le principe est simple. On va faire quelques abdos dans l'eau. Ok. Je pense que, tu vois, l'eau, ça nous ralentit un peu, donc c'est encore plus dur. Ouais, ça sera encore plus dur. Je suis pas sûr. Si, si, c'est logique. Ouais. Regarde ça. Ah ouais, il faut cracher l'eau quand tu le prends. Ok. À genoux, se rendre, salutation. J'ai pas un frère, moi. C'était un bon frère F7.
Ah si, ok. Sport 2. Ok. Oh, c'est vachement dur. Moi j'en fais plus ou moins 300. Yeah. Ok. On continue encore un peu. Ok. C'est bon, tu peux t'arrêter. C'est peut-être un peu dur les premières fois. Donne un coup de poing, histoire de te relever avec classe. Oh! Hey, pas besoin de t'agenouiller. Ouais. Je vais péter mon crâne, frère. Ah, nickel. Ok, c'est bon. Ok, bon. Maintenant, on va te sortir de cette grotte. Mais attention! Sans les mains. N'agis qu'avec les pieds. Sans les mains? Ouais. Mais on n'a pas besoin des mains pour sortir de la grotte. Ouais, juste pour... on a juste à marcher. Ouais, mais faut nager. Comment tu vas faire alors? Ah, j'aimerais bien t'y voir. Hop, 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 hop. Ah, d'ailleurs, hey, tu m'as pas raconté pour la guerre. Moi, j'ai bien envie de savoir. Bah, on s'est affronté contre les ninjas d'Amé. Et c'était un champ de bataille. Je crois que j'étais le seul Genin. Et on les a bousillés. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Attends, mais t'étais le seul Genin, bah ouais. Ouais. Comment ça se fait? J'ai même eu un haut gradé d'Amé. Ouais, il s'appelle Isame Kaguya. Qui était vachement fort en fait. Non, ça va, ça va. Mais toi aussi, t'es très très fort, ouais. Ah, tu connais? Oh, c'est cool. Ah, moi j'ai. Moi je catalyse Jusman avec des couches. Je suis pas si fort que ça, pour l'instant. Moi ça t'a étonné quand j'ai dit Kaguya. Là, je serais vraiment cool. C'est déjà trop cool, hein. Quand même, c'est un membre de clan adverse, je veux dire. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Très fort. On n'est pas parti voir le fond de la grotte, mais on reviendra. On peut aller voir si tu veux. Y a pas grand chose d'intéressant, mais il y a peut-être des bêtes au fond. Pas sûr. Des bêtes? Oh, bah ça te donnera l'occasion de tester tes nouvelles techniques. Allez, on y va. N'oublie pas, toujours en position de combat. Ok. Quel genre de bête au fond? Oh, des monstres dégueulasses. Mais on en voit pas souvent. C'est-à-dire, elle passe à un endroit, elle s'abrite ici et. Le temps de lire un parchemin, hop! Disparu. Bon, un peu décevant. C'est vrai qu'il y en a pas. C'est quoi là-bas? Oh! Je sais pas, va voir. Ah, j'ai pas réussi à l'attraper. J'attends mon saut. J'ai dû faire en fait. Oh! Hey, non, il faut se battre! Je vais utiliser mon taijutsu. Ah! Oh putain, mais qu'est-ce que ça fait là? Tiens, bourrasque de Konoha! Ok, je vais utiliser la tornade! Tornade de Konoha!
Ah, pas mal. Ok. Tornade de connoir. Tornade de connoir. Ok, bien joué. Allez, on va la voir. Brasque. Oh. Il pouvait rien contre notre taijutsu. J'espère que t'aimes la viande. On va se régaler. On va ce machin. Allez. Oh putain. J'aurais jamais cru tuer un ours. Surtout pas avec un mec habillé comme moi dans une grotte. T'es sûr que t'en as tué d'autres? Bah. Pas aussi gros en tout cas. Il est vachement balèze. C'est vrai qu'il avait été vraiment balèze. Ça fait mal. Ouais, bien d'accord. Bon, au final, on va faire un petit feu. Ouf. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Pas de bâton ici. Ok, je sais, pousse-toi. C'est vrai que pour le. Histoire d'un soir, je suis un taijutsuman, mais je suis toujours capable de faire ça. Et par toi. Ouais, c'est sûr. Ça va être un barbecue. Katan, boule de feu suprême. Wow, 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 t'étais un peu fort là. T'étais oh, merde. Un peu fort. Merde. Ok. Concentre-toi. Oh, mais non, mais non, mais non. Concentre-toi, concentre-toi. 3, 2, 1. Ah. Oh, désolé. Fais chier. Je voulais le manger, moi. C'est pas grave. T'as qu'à aller acheter des ramen à Konoha. Je peux même pas pisser dessus. Ah, j'ai déjà pissé, moi, ouais. J'ai plus envie. Oh. Ouais. Bon, bah. Bon. Bon, bah, on rentre. Désolé. D'ailleurs, je sais même pas comment tu t'appelles. Non, non, mais. Ah. Ah, ouais, c'est vrai. Ok. Attends. Je te fais ma présentation. Je suis Maka Kentaku, disciple de Seiji Ekishitamata et disciple du grand Ryu Urisu. Enchanté. Waouh. Comment tu fais? Et toi? Je suis Mazaru, membre de Konoha. J'ai des amis qui sont des Uchiwa. Je suis le disciple de personne, mais je suis déjà allé à la guerre et j'ai abattu un haut gradé d'Ame. Cool. Bon, va falloir revoir la présentation. Ouais, désolé. C'était pas si sale que ça. J'avais rien de prêt en fait, c'est ça le problème. J'ai l'impression que ta présentation, ouais, elle est travaillée quoi. Ouais, je le dis un peu à tout le monde. Histoire qu'on reconnaisse. Bon. A plus, l'ours. Les gars, c'est quoi déjà, Fixed? D'accord, désolé, mon pote. HUD. Oh, deux secondes, mon frère. Fixed. Désolé. Je suis en train de réfléchir. Ouais, t'inquiète. En tout cas, merci pour ton entraînement. Ah bah, ça fait plaisir. Entraîner quelqu'un au taijutsu. Ah, tu veux peut-être en faire un petit combat? Allez, pourquoi pas. Ok, mais tu vas le faire avec tes nouvelles techniques, tiens. Histoire, j'ai un petit parchemin pour que tu réalises des instructions. Suis-moi. Ok. Une nouvelle technique. Je vais faire... Tiens, parchemin pour lire les instructions. Ok, alors... Il y a taijutsu. Ok. Ok. Pour l'instant, on va s'entraîner avec la tornade de Konoha. Tu vas essayer juste de mettre ce coup là. Bien sûr, tu peux combiner ça avec ton ninjutsu. Bien sûr. Je suis pas full HP. C'est un problème, c'est pas vrai, frère. Ok. Oh. C'est mal en point. Ouais, je suis encore un peu blessé de tout à l'heure. On devrait peut-être rentrer se soigner et après on reviendra.
ou on pourra se battre dehors. Allez, ça me va. J'imagine que tu veux pas sortir comme ça. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. T'inquiète, je vais mettre une autre tenue. Ok, c'est bon, on peut y aller. Toujours en position de combat. Sans wow. Les mains. La tornade de Konoha. Sans les mains, il a dit. Pointer du doigt à vous-même. Ils font quoi, wesh? C'était eux. Comment ça, c'est eux? Oh mon dieu, c'est Connie Senju. Oh là là. Je crois qu'il y a Yuzo Uchiwa aussi, non? Ouais. Ouais, je me rappelle des... Oh la tête. Ok, viens, on y va. Je te suis. Lui, il fait bien peur en tout cas. Position de combat. Faire le tour. Daron, il est sous Glock, frère. Je fais une bêtise, il m'allume la gueule. On fonce, on fonce, on fonce. Tellement hâte de développer le Sharingan. Oh, il a peur, ouais. Et pourquoi tu as peur d'eux? Rentrons à Konoha. Ouais, un peu. Mais bon, ça c'est juste mental. Et... c'est une peur bien bizarre, malheureusement. Bah, t'as le droit de marcher devant eux. Ouais, ouais, je sais, mais en fait, imagine un jour l'un d'eux veut me combattre. Bah là, je suis pas prêt. Alors que si je m'entraîne et qu'un jour je leur dis « Hey, venez me combattre bah, », ils se rappelleront de moi comme un grand taijutsu man. Ouais, ah, je crois que c'est okay, comme ça. Ok, je comprends. Ok, je comprends. Non, les gars, je crois que... Bon. Maintenant, le médecin. Il a peur de se faire détecter. Oh, y a Pumba. Non. Puma. Puma, Puma. Monsieur Chat, tiens, tiens, tiens. Enchanté. Enfin, bonjour, Maza. Salut, Sin. Bonjour, Monsieur Chat. Ça va, Mazaru? Ça va, ça va. J'apprends le taijutsu avec un taijutsu man. On vous dérange pas plus, on ouais. En plein entraînement taijutsu. Allez-y, bon entraînement, Mazaru. Merci. Sacré Puma. Bah, il aussi, est... il est bizarre. On m'a dit qu'il était sacrément fort. C'est-à-dire qu'un jour, un mec a décidé de porter un masque et plus parler. Peut-être qu'il a jamais pu parler de sa vie, non? Ah ouais, merde. Eh ben on sait jamais. Tout ce que je sais c'est qu'il est sacrément fort. Ouais, je suis bien d'accord. Un jour j'ai eu le malheur de sur le pied. Je peux dire qu'il m'en a fait baver. Ah non, j'ai jamais eu de problème ouais, ça m'a avec servi moi. De son. Oh il est gentil. Les gars, je vais l'étendre. Ah tu te rappelles la dernière fois là dans la grotte? Alors là, fou. Il y a des gens qui avaient des doutes sur lui, mais en fait, ouais, non, il gérait la situation d'une main de maître. Une légende du village. Il savait exactement ouais, quoi faire. Il est toujours là dans le village. Juste par des chats. Ouais, ouais. C'est vrai. Je l'ai jamais vraiment vu combattre. Tu sais. Non, j'ai jamais vu combattre non plus. Il doit être sacrément fort quand même. Ouais. Il a même pas parlé devant l'ermite. Non, et l'ermite le reconnaissait, ouais. Donc c'est qu'il est vraiment fort. Ouais, je suis bien avec toi. Allez, on y retourne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se
passe? Là, je suis en train de faire, oui, je sais, mais dès que je vais les mettre en bas, et ben ça va enlever. Vous entraînez? Non, regarde, moi je viens de le faire et ça l'enlève pas. Bah, c'est bizarre. Oh! Allez hop. Bref, j'ai essayé Cindero. Aïe 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 aïe. Tu veux que je leur mette une tornade? Touche pas. T'as 45 ans, t'as raté. Non, t'inquiète mon pote. Ça, c'est pas grave. Si, t'inquiète. Et tu me touches pas. Regarde. Allez, regarde ça. Tu. Excuse-moi. Ouais. Réflexe. Putain, je vais vous enculer. Eh, laisse-le tranquille. Oh, c'était juste une blague. Eh, ça vous dirait de vous battre contre nous deux? Voilà. Écoutez-moi bien, les deux cons. Quand j'étais gagné, je les bouffais, les petits comme vous. Je leur faisais raquer 20 000 rios dans les ruelles sombres. Vous arrêtez de faire les malins, là. Bah vas-y, bats-toi contre les deux. Ok, donc ça veut dire un petit 2 contre 1 là. Un petit 2 contre 1. Si en Guénin, tu nous. Si les Guénin, tu les battais déjà, alors maintenant avec ton grade, ça doit être encore plus simple. Mais écoutez-moi bien, je vais vous traumatiser des jutsus, vous allez vendre des ramen à Isha. Les policiers de cette. Ok, ça marche. Ok, quand tu veux. Je vais me soigner, bouge pas. Il y a une petite miss là-bas. Faut être roche quand même pour la tornade de Konoha. Ah bah le voilà. Oh merde. Ok, on va le combattre. Attends 2 secondes. Oh merde! Reste ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, le Titan qui va se. Trouve une excuse béton. Trouve une excuse béton. Ton père te prend pour un raté parce que tu traînes avec un individu dénué de moudra et de chakra. Mais c'est lui-même qui m'a dit de m'entraîner au Taijutsu. Mais. Ton père aime se contredire ou alors ton père aime t'étendre des. C'est lui-même qui m'a dit de m'entraîner au Taijutsu. C'est toi. Ah, c'est ton père qui t'a dit ça? Écoutez. Non, c'est moi. Tu te sens à la hauteur ou pas? Tu te sens à la hauteur ou pas? Tu te sens à la hauteur ou non? Aïe sensei, promis. Le meilleur maïs de mon père était Arumaito, si vous ne connaissez pas. Un homme qui utilisait que le taille de si. Aïe sensei, ouais, je le souhaite en soi si vous lui ressemblez un peu, mais bon, vous êtes peureux. Ça s'entend dans votre voix. Désolé sensei. Travaillez sur ça si vous voulez vraiment parler avec mon fils. Parce que là pour le coup je me sens plus faible. Père! Ah, je ne sais. Il m'apprenait les techniques basiques du taijutsu. C'est vous-même qui m'avez dit d'apprendre le taijutsu. C'est ce que je suis parti faire de sport. Est-ce que c'est sûr? Le problème c'est que tu maîtrises une porte ou pas? Tu aurais pu prendre, je sais pas, un enseignant par exemple Tokubetsu qui a de vraies techniques, de vrais muscles. Et là toi tu prends ce faiblard qui. Oui, mais c'était juste pour les bases, avant d'aller voir un supérieur. Et puis, il se bat très bien, tu sais. Même s'il ne fait pas de ninjutsu. Défends ta position. Arrête de t'écraser. Parce que pas toi contre mon fils, on va voir si défends tu passes si bien que ça. Mais tout d'abord, on devait régler son compte à celui-là aux cheveux rouges. Ouais, ça veut régler mon compte, ça se prend. Vous savez quoi? Il a fait quoi, lui? Respect. C'est pas une promesse. Vous voulez l'affronter en 2 contre 1. Si vous battez cette personne aux cheveux rouges. Régler mon compte, ça fait beaucoup là. Si vous le battez. Non, mais régler son compte, c'est ça veut tout rien dire. Ok. Le Taijutsu Man. Ok. Ouais, ça me va. Allez, ça me va. Viens là. On va régler ça. Attends, 1 contre 1. Tu voulais dire en 1 contre 1 ou. Vous voulez dire en 1 contre 1 père ou en 2 contre 1? 2 contre 1. Je me disais, il allait se faire botter sinon. On va voir ça. Tu sais les quels grades? Parce que quand même. Bon, Shoko casse pas très à vos côtés parce que bon. Voilà, je vous envoie mon fils quand même. Vous avez besoin d'un. Vous avez besoin d'un Virtuo. C'est pas un Chunin en face? Oh non, c'est un Tokubetsu. Ah merde. Allez, je vais vous aider. Vas-y. Je compte sur toi, on leur fait pas trop d'ombre. Mais je crois que d'ailleurs le Tokubetsu il a mangé la pierre, pas toi. Il est en train de manger la pierre. Il y en a un qui mange la pierre là-bas. Mais... Ah bah, Lio aussi, il a mangé la pierre. Ah. Il y en a beaucoup qui mangent la pierre aujourd'hui. Hein. Mais mon fils là-bas aussi, il mange la pierre. Et le type à côté aussi mange la pierre, mais on est pas la faute de la fumée. Dessous, là. Je vous jure, hein, c'est la faute de la fumée. La fumée? Beaucoup trop de fumée aujourd'hui. On va les attendre.
Ce Genjutsu, moi, je pense qu'il a juste eu peur. Mais moi qui maîtrise le Genjutsu à un certain niveau, je dois avouer que je comprends pas la portée de ce pouvoir. Il est vrai, il est vrai. Pouvoir effacer. Montre-moi du coup vite fait les passes que t'as appris Mazaro. Eh, hey, j'avoue, bah, ça a l'air plutôt intéressant. Mmh. Ok, alors je concentre toute ma puissance pour ma jambe gauche. Mmh. Et c'est la tornade de Konoha. Non, je vois. Mazaro, il ne t'a même pas appris la base. Lorsque tu fais ce coup, il faut que tu sautes. Sinon ça ne marche pas. Ah. Regarde. Ah. Tu vois? Ouais, je vois, je vois. Et il ne t'a même pas appris la bourrasque. Non, on était au début de l'entraînement. Vous pensiez que j'étais parti alors que j'étais juste en dessous. Tornade de Konoha. Nia. Wow. Ah mais il manque pas d'audace celui-ci. Il est audacieux. J'attends. Tornade de Konoha. Oh. Désolé. Oh, ah non mais là c'est vraiment deux fois d'affilée putain. C'est particulier. Allez, comment ça, c'est, la passe, c'est bon, je la maîtrise. Bah parfait, ils sont tous là sauf bah, le concerné du coup. Bah, je vais voir le médecin. C'est un toko Betsu, il va nous brûler la gueule. Ah il arrive. Il y a 2500 HP, putain. Les chaussettes de l'archiduchesse sont... Aïe. Le style, le Tokubetsu compliqué, vous êtes censé vous battre. Je crois qu'il a eu peur. Du coup, tu seras là pour le prochain examen de Chunin Mazaru. Pardon ? Je crois que c'est mercredi, je sais plus quand. Ça va être facile. Moi, j'ai l'examen de Chunin ou pas ? Bien sûr. Il a intérêt à être là, ouais. T'as déjà une équipe pour moi ? Non. Ah, mais il est là. Ah, les gars, je t'ai dormi, désolé. Très très peu. J'ai pas d'équipe encore. Bref, on en reparlera après ce combat. Faudrait que tu te trouves très vite. Bien. Attendez, vous deux, faut que je discute avec vous. Ouais, c'est pas vous deux. Ok. Je vais me rajouter à l'équation, mais je me battrai que au Taijutsu. Comment allez-vous Attends, je discute avec les deux là. Ah, ok, vas-y, je te laisse. Comme d'hab. Salut, t'as regardez. Donnez-moi 50 000 rios chacun et je fais exploser. T'as fait combien de. T'as tué combien de personnes à la guerre? J'ai fait 4 éliminations. Ça me paraît être une bonne idée. Ok, moi j'en ai fait 5, je t'ai battu. Pas de mes capacités, attention. Ok, mais on paye après et c'est 50 000 rios en tout. Non, alors là ça va se faire maintenant par contre, ça existe pas. Mais qu'est-ce qu'il nous dit que enfin, tu vas pas nous casser la gueule? J'ai participé à un tournoi de Taijutsu et je l'ai gagné. Vas-y, glisse-les dans ma poche, rapidement. Ça sera pas possible, je pense. Attends. Non, fais pas ça, on va juste l'affronter, lui donne pas tes rios. Ouais, oh. Ok, bah ce sera jusqu'à la mort. Bon, c'est pour aujourd'hui ou ouais, c'est pour demain? Viens là, mon pote. On y va là. On s'occupe de lui. Bon. C'est pour aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'on va lui casser la gueule. Je vais signer le début du combat là. Ah, mais tu te bats. Ok. Je vais foncer devant. Ouais, mais okay. Je vais mettre une bourrasque. T'enchaînes direct avec une tornade de Konoha. Ok. Ok, vous êtes prêts? C'est pas votre stratégie, les jeunes. Et je vais juste foncer dedans. Et vous suivez. Allez. Attends, bon. D'abord, je lui envoie du Kim. Attends deux secondes un peu avant. Vous êtes prêts? Sautez si vous êtes prêts. Allez. Okay, avec tout parti. Le style que vous avez en vous. Allez-y. Ok. Tornade de Konoha. Écartez-vous, je vais lui envoyer mon katon. Ah, je l'envoie pas, frère. Il m'a enlevé tout mon chakra, frère. Attention. Merde, j'ai allumé mon frère. Je l'ai touché. Recule.
Tu vas faire mal à mon cousin ? J'ai tué les trois, frère, bonne chance. Il brûle aussi, t'inquiète. Je compte sur ta résistance. J'ai mis trois coups, c'est bon, ça va se carrer. J'ai mis une tornade de Konoha. Tornade de Konoha ! Alors toi, tu vas laisser mon pote tranquille. Bien. Je suis heal ou je rêve ? Oh putain de merde. Tranquille. Ok. On va jouer à la distance maintenant. Le relais. Ouïouïouï. Ça me vole tout mon chakra en plus. Mais il s'est heal ce chien. J'ai touché encore! Bourrasque de Konoha! Je les brave. Maintenant j'ai entraîné Mazaru, il devrait le détruire à lui seul. Mais pourquoi la Mazaru? Attention. Ouf. C'est trop loin, frère. J'ai aidé mon cousin. Cousin, est-ce que ça va? Attention, attention. Vas-y, bataille. La prochaine fois, tu paieras les Rio. C'est pas fini. Ah si, c'est fini. On était pas loin. Désolé les gars. Bien démerdé quand même. J'aurais pu faire mieux. Un ressenti peut-être. À un moment je me sentais blessé et tout d'un coup j'allais beaucoup mieux. Ah oui. C'était vraiment bizarre. Reprenez, faites un jutsu. Enfin faites comme si vous alliez faire un jutsu. Ah bah vous l'avez complètement paralysé. J'arrive pas à vous soigner. Super. J'ai été étonné de voir que Mazaru ne s'était pas pris une vitesse par le reste de son équipe. Il a réussi à tenir la route. Je vous ai laissé briller un peu, mais... Merci, merci. Arthan, viens maintenant. Ah, mauvais. Je suis allé me soigner. Bon. Je sais rien dire ici. Chef, t'es full. Ah merde, je suis trop con. Compliqué à battre, hein. C'est un Sweeton. Pourquoi?
Oka il peut le battre tout seul, c'est impossible. Si si, tu vas voir. J'ai des doutes. Mais il y a un monde où il peut. C'est pour ça Mazaru, quand je t'ai dit un tour toi bien, et que je te parle de mes fils... C'est vrai que je manque d'entraînement. C'est pour ça que je te parle de mes fils. Putain, j'étais vraiment nul. Ok, ça va, il s'est amélioré, Burton. Il s'est amélioré. Ouais, je peux t'aider. Ouais, tous les combats sont intrigants. Eh, hey, dis-moi, t'as une belle coupe, toi. La buzzcut. C'est pour exprimer ma fougue. Je rigole, j'aime pas du tout. Ah, j'avoue qu'elle est bien dégueulasse. Ah, je suis bon. Ah, vous manquez de classe et d'élégance, c'est tout, quoi. Allez, pst. Non, je, ouais. Je la trouve soignée et raffinée. Va, va. Oui, mais vous en faites. Je suis d'accord. Après, bon. Je le répétais une dernière fois, le Taikutsu Man va avec lui, allez. Oh merde, je voulais qu'on s'enfuit, mais bon. Ah, ah c'est bon. Malin. Il t'a vu. Finalement, ça travaille. Ah oui, allez. Après, lui, regarde ce que je vais faire. On va continuer. Je vais montrer que j'ai pas peur de lui, regarde. T'es mort. Non, pardon, je vais montrer que j'ai pas peur de lui. Retombée, c'est la retombée. Ah, j'ai appris à pas terrat. Ah, mais si, mais t'es con ou quoi? Ah, oh ouais, c'est radical. C'est fort votre fumée noire, Sensei. Pas de la fumée. Mais de quoi tu me parles de fumée? C'est. Enfin, vos bruits. Noirs, c'est fort. T'es des flammes. Bref, du coup, je le répète, Taijutsu Man. La prochaine fois, je ne serai pas aussi gentil. Du coup, je te le répéterai une dernière fois. Continue ton apprentissage. Apprends-lui la bourrasque. On y va. Par contre, la prochaine fois que tu me mets un coup en traître. Je t'exécute. Doucement, 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 c'est des enfants, fait. Voyons, Yuzu quand même. On menace pas d'exécuter et des gosses. Là, je suis gars qui m'entend pas. C'est à cause de gens comme toi qu'on perd des gens tous les jours. J'ai que 12 ans. C'est pas vrai. Arrête de répondre. On est en guerre, mais on les rétame. Si je peux me permettre. Allez, vas-y, on y va, on va s'entraîner, vas-y. Non, 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 c'est à l'époque où on exécutait les ninjas qu'on. D'abord, il me termine, frère. Bon, bah, va falloir que je change de couche. Non, pardon, désolé, on fait que passer. Eh, hey, dis-moi. Ouais. T'as prévu de faire l'examen de Chunin? Ouais, bien sûr. T'as une équipe? Non, pas vraiment. Apparemment, il faut créer une équipe. Tu veux qu'on crée une équipe? Ouais, mais il nous faudra un troisième. Ouais. Ok, ça marche. Je suis dans ton équipe. Allez. Bon, un troisième. Maintenant, si on doit trouver une troisième personne, faut qu'elle soit aussi incroyable que nous. Tu connais des gens incroyables? À part mon groupe de Taijutsu Man et mon sensei, pas grand monde. Et ton sensei, il est déjà Chunin. Non, il est Genin confirmé. Comment il peut être ton sensei, vous êtes au même grade? C'est lui qui m'a donné cette tenue de Taijutsu Man. Donc c'est. Et il est fort? Mais bon, je pense qu'il faut varier les plaisirs, non? Ouais, il faut avoir varier un peu le tout. Ouais, c'est ça. Il faut quelqu'un de différent. Mais quelqu'un de cool. Ça c'est sûr. Bon, on trouvera sûrement dans la journée. Maintenant, t'emmener à un endroit secret. Un endroit secret? Mais il faudra le dire à personne. À ma parole. C'est entre nous. Bien. C'est un peu loin, mais il fait un peu froid là-bas. Ok, je suis. Allez, on accélère. Toujours en position de combat.
Ah c'est bon, il est dans mon équipe pour les tunes, je sais pas si... Je sais pas si j'ai... Je suis bien ou pas les mecs. Oula. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui c'est ces gens là? Je sais pas du tout. Vous êtes qui vous? Bonjour. 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 Ah. Oh, ouf, on a eu peur. Oh, j'ai eu peur. Putain. On est rigolo. Enfin, ok, on les aurait rétamés. Hein. Comme ça. Hein. Ah bof. J'en doutais pas une seconde. Ça, c'est bon, sûr. Voilà, c'est un peu. Enfin. La barbe d'Asuma alors qu'il est gainé, non, voilà. Bon. On est encore loin? On va quand même faire attention. Ouais, quand même, ça va. Ouais, c'est vrai, t'as raison, faut découvrir. Je sais pas du tout, moi, je te suis. Tu sais ce qui serait très problématique? Quoi? On tombe sur quelqu'un d'abbé alors que la guerre s'est terminée juste avant. Alors là... C'est pas grave, à deux, on est trop fort. Ah, c'est vrai qu'il fait froid ici. C'est ici ton endroit? Chef? On va mettre le masque au cas où? Même si je pense qu'il n'y a pas besoin. On réchauffe les malheureux. Sa mère. On va se mettre en sécurité quand même. Je sais jamais s'il y a quelqu'un qui passe. Je veux ma peau. T'as fait? Je te voyais plus. Ouais, je sais. Technique de Taijutsu Man. Wow. Allez, on descend. Le roux là, il y a celui en haut du rocher. C'est long bouge. Allez, arrête. Vous avez pas vu les gens qu'il y avait ici? Comment t'as trop cru? Je sais pas comment t'as fait, je t'ai pas vu venir. Et ouais, je sais. Je suis super rapide. Ah, c'est sûr. Tu as même vu mon ombre marcher contre le mur. Ouais, je t'ai regardé, tu sais. Je suis tellement rapide que j'ai eu le temps de te voir. C'est vrai que ça, c'est une de tes forces, c'est la vitesse. Je vais pas te le retirer. Sous slash TP du tout. Quoi? Il est trop cool ton masque! C'est une poule! Ouais. C'est le premier masque qu'on m'a offert. Alors ça, c'est cool. Et les gens s'en moquent, mais moi je l'aime bien. Il y a du monde derrière. Y'a que les idiots qui se moquent des bonnes choses. Mais aspect. Salutations. Oh mais t'es hey, salut. Dit toi. Hey, t'as vu ça? Ouais. Ouais c'est moi. Ouais c'est moi. Elles ont avoir un masque là ouais. Je sais c'est qui c'est. Laissez-les, laissez-les. C'est un ninja de Konoha lui. Je sais ouais. Ouais c'est Maka, c'est Maka. Ah c'est l'élève de Seiji. Tu vois ça? Ah on peut pas s'en prendre à... Ouais c'est moi mais continuez vous en faites pas, continuez ce que vous êtes. Continuez. Mm-hmm. On est un peu occupé là. Non, ça va aller. La génération bordel. Tu sais comment il s'appelait déjà? Ah, c'est dingue. Ah, t'as eu peur? On a pas le temps de se reposer. Ah, c'est vrai. Non. Bon, tu vas m'emmener à quel endroit secret? Hé, hey, t'en fais pas. Ah, c'est vrai, faut que je me garde la surprise. Ouais, je sais que c'est Genma. Ils font que de la dinguerie, frère. Je pense que tu vas kiffer. Putain, y'a des trous dans le sable. Dans le sable, c'est de la neige. Dans la neige, putain.
Ah ouais, je suis trop bête. T'as la guerre ou quoi? Ah, on y est presque. Ok, là, si je me souviens bien, c'est tout droit et à droite. Ok. Allez, viens. C'est Rio, ça, je reconnais. Hein. Eh, moi, je vous dis, laissez-moi de la mort de vous. On est des descentes à Amé. Comment ça, des descentes? Oh, faut qu'on trouve un troisième les gars pour l'examen de Chunin. Pas pire, je fais confiance. Ok, on y est. J'espère que t'as pas perdu vide. Non, pourquoi? Eh bien moi non plus. Là c'est juste un pont là. Ok, hop. Ok, tu me regardes et tu fais la même chose. Ok. Enfin, si tu peux. Et... hop. Fou. F7, c'est quel anime? Ok, on va faire la même chose. Sport 4, merci. Ok. Et hop! Oh! Je suis full bug la team. Je suis mort. Un bon RP. Chef. C'est dans le lore. En fait, j'ai compris après. Mais je crois que j'ai niqué le truc. J'attends ou je dois reco? Ah non, c'est moi. Wow, l'endroit de fou, frère. Quoi? Oh, y a quelqu'un? Oh, OMG. Qu'est-ce qui se passe les mecs? Je sens quelqu'un qui est là. Qu'est-ce que vous faites là? C'est tout? Waouh! Qu'est-ce que vous avez fait de mon ami? Vous pouvez passer mon ami, le Taijutsuman. Ah oui, ton ami. C'est lui qui est dénué de talent, c'est ça. Il est plein de talent.
Le talent, c'est pas juste le ninjutsu ou bien le chakra. Il est bourré de talent, Taijutsu. Dis-moi où il est. Dis-moi, toi. Oui. Tu es talentueux ? Ouais, je pense que je suis talentueux, ouais. Je pense pas, j'en suis sûr même. Ah oui, en quel point ? Tiens, et pas de moi. Je dis quoi ? Ça a bugué. Est-ce que vous pouvez répéter ? J'ai pas très bien compris. En quel point es-tu talentueux ? Au combat. Au combat. J'attends de voir ça. Je t'avais promis une chose, jeune ninja. D'ailleurs, rappelle-moi ton nom. Je m'appelle Mazaru. 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 Mazaru, je t'avais promis une chose. Je t'avais promis de suivre ton... d'avancer ta carrière avec une attention méticuleuse, pas vrai ? C'est vrai. Eh bien, qu'en est-il ? Eh bien... vous ne m'avez pas suivi aujourd'hui ? Vous étiez occupé ? Que très peu. J'ai cru comprendre que une de tes boules de feu avait touché quelqu'un. En es-tu fier ? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça ? Non, ça suffit pas. C'était que le fruit de la chance. Ou peut-être le fruit du hasard, qui sait. Non, c'est juste que j'ai pas pu profiter à 100% de ce combat. Oui. Un certain Isame Kaguya. Mais disons qu'il était sur le champ de bataille. Un ninja insignifiant d'un clan avec une grande renommée. On entend c'est pas. C'est assez commun ça, tu sais. Tu en connais toi ? Des ninjas qui font partie de clans avec une grande renommée et qui ne sont que des ninjas banalissimes ? Non. Toi. Il n'y a aucun nom qui te vienne en tête ? Non, pourquoi ? Vous pensez à qui ? Des clans qui ont fait trembler le monde ninja. Tu ne connais aucun ninja faisant partie de l'un de ces clans qui n'a rien prouvé ou qui n'a que très peu de perspectives de carrière ? Tu veux en venir où ? Tu parles de qui ? Je sais qu'il parle de mon père. Il parle de mon père ou il parle de moi ? À qui crois-tu t'adresser comme ça, Mazaru ? Pardon. Je reformule. Qui t'a donné l'idée que tu pouvais t'adresser à moi de cette façon ? Tu me tutoies ? Excusez-moi. Désolé. Personne m'a donné l'autorisation. Ce n'est pas des excuses que j'attends. C'est de la rigueur. Je m'attends à ce que tu ne reproduises plus cette erreur. Ça n'arrivera plus. J'avais l'habitude de demander à ceux que je croisais de faire un sacrifice. Sacrifier quelque chose de chez eux. Certains sacrifiaient l'un de leurs yeux, certains le don de la parole, et d'autres des artefacts légendaires. Si je t'imposais un sacrifice, que sacrifierais-tu, jeune ninja ? Que dis-je, jeune primate ? Non, puis moi il peut plus parler. Des artefacts légendaires. Qu'est-ce qu'un ninja de ton échelle aurait à sacrifier de légendaire ? Un artefact ? Quel type d'artefact ? Est-il dans ta possession ? Permets-moi d'en douter. Non. J'aurais ressenti le chakra si c'était le cas. N'est pas en ma possession, mais dans le futur, je pourrais m'en procurer. Pas donner mes yeux, frère. Tu penses que je t'envoie en mission de récolte, Mazaru ? Je n'en sais rien. Terrifié, frère. Un sacrifice, c'était pas une mission. Si je t'avais missionné, on serait allé sur une ligne droite. Je t'aurais demandé quelque chose, tu me l'aurais apporté. Fin du marché. Là, je te demande de te creuser la cervelle.
de creuser le crâne et de sélectionner minutieusement quelque chose. Une chose à laquelle tu portes une valeur sentimentale. Et d'accepter de choisir de ton plein gré de t'en séparer. Est-ce que ça peut être une personne ? N'importe quoi. Du moment que cette personne a une valeur à tes yeux, du moment que son départ crée un deuil, du chagrin, peut-être même de la haine. Très bien. C'est un choix difficile. Je n'ai pas envie de me séparer de mes yeux parce que mes yeux feront ma puissance. Je n'ai pas envie de me séparer de ma voix. Parce que personne n'a envie de se séparer de sa voix. Mais... Je vais me regorger d'imagination. Tu as bien quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé, qui pourrait peut-être m'intéresser. Je veux dire, j'en ai connu des ninjas intéressants, qui en plus d'avoir attisé ma curiosité, avaient la pleine attention. Ok. Pratique de Mazzaro. La dernière fois que l'on s'est vu, vous aviez dit, vous aviez parlé de détruire Konoha. Où veux-tu en venir ? Je n'ai guère d'importance pour Konoha. Tout ce qui m'intéresse, c'est mon clan et ma famille. Pour l'instant, je suis qu'un seul, je suis qu'un jeune Genin confirmé. Je peux rien vous apporter tout de suite. Mais dans le futur, je peux vous faire serment. De servir pour vous. Et non pas pour Konoha. Tu serais prêt à prêter serment pour servir un ermite ? Je veux dire, tu as bien vu à quoi je ressemblais. Je ne porte qu'une tunique ouverte. Je suis pieds nus dans le pays neutre. Mmh. Et tu es prêt à me léguer ta vie ? Tout ce que j'ai vu la dernière fois, c'est que vous avez affronté 5 membres des forces spéciales et que vous en êtes sorti indemne. Je ne reconnais que la puissance. Oh. Je me sens insulté, mais je ne t'arracherai pas la vie tout de suite. Me juger par rapport à un combat avec le menu fretin. Tu m'aurais parlé de ninja légendaire. On aurait pu parler. Renzo de la Salamandre. Seifuma. Karasuma. Qu'est-ce que je dois sacrifier là, Jim ? Tu me donnes un exemple. Et puis... Enfin bref. Ah, c'est le seul combat que j'ai vu. Tu es prêt à prêter serment, Mazzaro ? Je suis prêt à prêter serment. Tu es conscient, en prêtant serment, qui signe la fin de ton libre arbitre. Tu ne seras que l'ombre de mes ambitions. Et tes ambitions seront parfaitement miennes. Très bien. J'en ai connu un ninja comme toi. Sais-tu de qui je parle ? Non. Allons, creuse un petit peu ta cervelle. Il faut dire qu'il est parti peu avant ton arrivée. Enfin, je veux dire ta sortie de l'Académie Ninja. Non, je n'ai pas entendu parler. Akai Oseremaki. Akai ? Son nom a fait résonner. Je suis dans le village pendant un moment. J'étais pas dans le village, les gars, je sais pas, je connais pas. Et il avait prêté serment tout comme moi ? À leurs yeux. Oh, bien plus que prêté serment. C'était ma possession. J'en étais le propriétaire. Il y avait une chose qui ouais, j'ai oublié. Par-dessus tout. Un objectif bien précis, celui de m'arracher la vie, de me porter du coup fatal, celui qui me ferait pousser mon dernier souffle. Malheureusement pour lui, j'ai des centaines d'années dans les pattes, et avec ça des années et des années, et des années, et des années, et encore des années d'expérience maintenant. Et... il vous a combattu ?
Je sens que je vais bien m'amuser avec toi, Mazzaro. Je ne sens pas. Je sens pas que je suis au bout de mes surprises. J'ai une question. Je t'écoute. Vous voulez que je prête serment et que je vous donne toutes les informations, que vous vous serviez de moi au maximum, etc. Mais moi... Oh, ce n'est pas les informations qui me manquent. Très bien. Mais moi, qu'est-ce que... Ta valeur, Mazzaro. Ok. Oh, tu gagneras, mais t'en fais pas, je veux dire. Pour si vraiment avoir... On va dire dans l'histoire, je veux dire. Il suffit pour moi de claquer des doigts pour éparpiller des lambeaux de ton corps un petit peu partout dans cette grotte. Non, ça, j'ai bien compris. Mais je veux savoir, est-ce que je serai plus puissant dans le futur? Oh, si je le décide, je me réserve le luxe de t'attribuer les avantages que je désire. Les pouvoirs, c'est pas ça qui me manque. J'ai rendu des gens bien plus puissants qu'ils ne l'étaient originellement. La Mekage, par exemple, Azura Kaguya, Izukami, Haru Senju, de son vrai nom, Sai Kaguya, Aminor Ingo, Aka Yosemaki, et bien d'autres encore. Oberon. Ok. C'est tout ce qui m'intéresse. Oh, j'ai bien compris que tu étais quelqu'un d'égoïste. Je veux dire, les grands esprits se rencontrent, pas vrai? Exactement. Le Hokage, c'est un Kaguya. Ouais. Je sais plus, faut que je note les noms. Je t'avoue, je suis un petit peu déçu. Pourquoi donc ? Je suis déçu que tu n'aies éprouvé qu'aussi peu de réticence. Aucune résistance. Tu as plié le genou en un claquement de doigts. J'étais juste pas concentré. Ah non, non. Oh, c'est trop tard. Je me suis habitué à la vision du sommet de ton crâne. Je vais voir ton respiration me dégoûterait. C'est simple, je t'attribue une mission. Tu pensais être plus malin? Alors dans ce cas-là, tu vas devoir te frotter à plus fort. Puma. Le ninja de petite taille avec son masque de... Oui, je vois très bien qui c'est. Oui, celui qui vous accompagne dans cette grotte. Celui qui... Celui qui ne peut plus parler. Celui qui ne peut plus parler, précisément. Et qu'est-ce que je vais devoir faire à Puma? Je veux que tu me l'amènes. Oh, simplement une capture. Un petit peu de quel bois tu te chauffes. Que je vous l'amène, c'est-à-dire... Tu es capable ou... Oui. Oh bah me l'amener dans ma grotte. C'est vrai, tu ne connais pas ma grotte. Non, je l'ai toujours pas vu. J'ai jamais fait la visite. Eh bien, les marais, au pays neutre. Juste en dessous du domaine des marais réside une grotte. Enfin, existe une grotte dans laquelle je réside. Il s'agit de l'antre du serpent. Ok. Si je l'amène là-bas, la mission sera accomplie, c'est bien ça. Exactement. Elle très bien. Accompli. En tout cas, la première étape, du moins. Allons, j'en ai trop dit. Une dernière question. Un chakra qui n'est pas familier et qui semble être à ta recherche. Oh putain. Pose ta question. Mais c'est sûrement mon père. Je me réserve le droit d'y répondre comme je le souhaite. Oh, bien sûr, bien sûr. Est l'un des dons les plus beaux que la nature ait à nous offrir. Je ne souhaite pas le gâcher pour répondre à des futilités. Justement, ça concerne. Justement, ça concerne la parole. Est-ce que c'est à cause de vous que Puma ne peut plus parler? À bientôt, Mazzaro. Ainsi ai-je parlé. Putain. Tu es ça. Les gars, moi je vais me servir de lui, moi je m'en bats les couilles de sa grand-mère.
Je m'en barre pas les couilles parce qu'il m'impressionne quand même, tu vois. RP parlant, il m'impressionne. Genre Mazarou, il est impressionné en mode wesh. Mon daron, il s'en bat les couilles de moi, il veut rien m'apprendre. Je dois apprendre des techniques de taijutsu avec des taijutsuman en Genin, frère. En Genin. C'était free Sharingan. Mais le problème, c'est que j'ai... Maka cherche, il est en panique. Attends, faut que j'aille dans l'eau peut-être. En fait, le problème, c'est que je peux pas sacrifier mon père encore, ça a pas de sens, ou mon frère, tu vois. Pour l'instant, c'est trop tôt, frère. Connie, bah non, c'est trop tôt, frère. Connie, c'est le seul mec sympa avec moi. Ça n'a aucun sens, frère. Taijutsuman, bah non, je peux pas le sacrifier encore. Je connais à peine, je m'en bats les couilles qu'il meurt ou pas. Oh, tu vas bien? Oh, faut que je t'examine, sinon ton père va tuer. Oh putain. Non, non, t'inquiète, ça va bien. Okay. Ouais, ça va bien, ça va bien. Ok. Oh putain, j'ai eu peur. Putain. Mais t'étais où? Je me suis juste perdu sous l'eau, j'ai perdu le souffle. Je crois qu'en sautant, mon cerveau s'est retourné. Et du coup, je me suis un peu évanoui, mais heureusement, je me suis pas noyé. Bon, c'est bizarre comme ça, mais... L'important, c'est que tout va bien, non? Ça fait une heure que t'es parti. Je t'ai cherché dans la grotte en dessous, je t'ai pas trouvé. Hein? Quelle grotte en dessous? Bah, sous le lac. Il y a une grotte, c'est ça que je voulais te montrer. Et quand je suis rentré dedans, t'étais pas là. Ah non, j'y suis allé au début, puis après, je suis remonté. Enfin bref. Je retournerai plus jamais dans ce lac. Ah, moi non plus. En fait les gars... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retournerait pas à Konoha et commence à se faire tard? Ouais t'as raison, ce lac est vraiment bizarre. Réflexe! Non c'est de l'eau normale. Bizarre. Bon, on y va. Les gars. Les gars. Qu'est-ce que j'allais dire? Il s'est rien passé là pour toi pendant une heure. Ah non. Je t'ai dit, je me suis un peu évanoui. Vraiment bizarre. J'ai perdu conscience et je me suis réveillé. Et ensuite, je suis sorti de l'eau tout simplement. Je sais pas comment c'est possible. Tu m'as pas vu? Bah si, je t'ai vu, mais moi je te cherchais pendant une heure. Je regardais autour, par là. J'ai rien trouvé. Sûr. Ouais, il y avait même quelqu'un qui m'aidait. Ouais, bizarre. T'es parti chercher des renforts, mais bon. Bon, comme je t'ai dit, le principal, c'est que je vais bien. Mon père te fera rien, t'inquiète. Bon. Je dirai rien de ce qui s'est passé. Je peux plus sauter. Tu veux que je te porte? Ah là, tu... ouais, je veux bien. Allez, accroche-toi. Hop là, entraînement taijutsu. Concentration maximum sur les jambes. 3, 2, 1... Oh, oh putain! Ah, ça fait bizarre sur le dos de quelqu'un. Ok, c'est bon. Vite, rentrons au village. Oh. Entrons. Grave cool. En fait, les gars, je pouvais pas donner. J'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'étais super stressé, j'ai... Voilà, la couche était vraiment pleine, j'ai dû la lancer dans l'eau. Oh merde. C'est pas grave, c'est un lac. Ouais, c'est dégueu. C'est dégueulasse, j'irai jamais me baigner là-bas. C'est vraiment dégueulasse, c'est honteux même. De toute façon, j'y retourne plus. On devrait se manier, mon père va commencer à... À avoir peur. Vas-y, je te suis. T'as paniqué quand il est arrivé, Kamel. Après, c'est aussi le RP en mode je suis impressionné. Mais je vais prendre de plus en plus confiance. Au début, j'ai essayé de faire le bonhomme. C'est quand il a fait sa technique, j'ai Céus. J'ai raté ou je rêve? Je crois que j'ai raté, non? Tue ton frère, ça te fait le Mangekyo
Et arrête mes frères, j'ai même pas éveillé. Tu... God. J'ai même pas éveillé mes yeux, que tu racontes frère. J'ai même pas éveillé mes yeux. En fait pour l'instant je déteste pas assez ni mon père ni mon frère. Oh. Hop là je le prends. Prends-le, il est pour toi. Bon. J'ai eu du fer tout à l'heure. Alors là. Ouais c'est vrai. Ok. Je sais que devant il y a un autre lac. Bon. Là essaye de pas partir pendant une heure. Je pense que d'ici on peut atterrir dans le lac et arriver directement là-bas. Ah ouais. Mais attention, c'est un très gros saut. Si Vas-y. Tu le fais, faut aller jusqu'au bout. Vas-y, je te fais confiance. Ok. Ok, je passe devant. Vas-y. T'es parti où, frère? Alors ça, c'était le truc le plus stylé. Wouhou! J'adore. Tu sais où se situent les marécages? Oh, il m'a pas entendu, je crois que je suis en train de shooter. Non. Oh, mon sensei! C'est lui! C'est ton sensei? Bonjour, sensei. Tigre. Salutations. Un tigre? Non, sensei, j'ai pas vu de tigre. J'ai dans le pays. Non, c'est à moi de faire ça, sensei. Quelque chose aujourd'hui. On fait tout le temps maintenant, mon pote. T'as manqué quelque chose. Je rentre au village, sinon un monsieur, tu vois, va me tuer. Ouais, vas-y, je te retire pas, allez-y. A tout à l'heure. C'est ça, si vous trouvez votre tigre, envoyez-moi une missive. J'irai lui casser. Si on voit un tigre, on vous le dira. On y va. Parfait. Alors, t'as vu la classe, hein? Ouais, il a trop la classe. Putain. Ah les gars, je pense. On y va. Je pense les mecs, j'avais personne à sacrifier. Je pouvais pas sacrifier mes yeux. Je pouvais pas sacrifier ma voix. Mon daron, c'est pas possible en vrai. Je voulais pas forcer le truc juste pour avoir le Sharingan, tu vois. Hey Jutsuman, bah les couilles s'il meurt, frère. Je suis pas encore assez proche de lui. Bah lui le Taijutsuman. Ouais mais RP parlant pour moi j'étais pas encore assez proche de lui pour que ça m'impacte. Frère je le connais depuis une heure frère. Un petit doigt, on n'est pas dans GTRP frère. Il y a le gars parfait devant tes yeux. Mais les gars, ça serait mytho de dire le Taijutsuman il est mort, j'ai le Sharingan genre. Je l'aime bien, mais vas-y, on se connaît depuis une heure, frère. Prenez votre vengeance, mais... les gars. C'est le moment de prendre notre vengeance. Oh putain. Ah, non. C'est mon il père encore. Père, il aime trop se battre. Il est en train de se la donner contre des gamins de 14 ans, je vais tout casser. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Fais le tour. On voit pas qu'on a mis du temps à rentrer vite. Ah, vite. On dit qu'on était déjà comme là. Ah, bien sûr. Ça force de ouf pour le Sharingan. Les gars, moi ça me dérange pas de ne pas l'avoir pour l'instant. Au moins comme ça, quand je l'aurai, ça sera une sale scène, il y aura un vrai intérêt quoi. Ouh. Tu descends d'où là? Oh, salut Connie. Eh bien, j'étais en train d'effectuer mon nouvel entraînement. Hey, les caps de Konoha sont très flexibles, j'ai dû aller... finir une bête mission de randonnée, vous savez, réparer les poteaux, ce genre de... Oh, mais je suis pressé, c'est dingue. D'ailleurs, viens là, Mazarou. Mazarou, faut pas sans savon, là, approche. Pourquoi? Merde. Hé, hey, qu'est-ce que tu nous fais, là? Quelque chose qui m'a pas plu. Bon, bah... Qu'est-ce qui t'a pas plu, Connie? Vraiment pas plu. Oh, merde. C'est quelque chose, franchement... C'est un truc que j'inculque à mes enfants, à mes fils. Et si Yuzu le fait pas aller, je vais le faire à sa place. C'est un truc très important, c'est un truc fondamental. Fondamental ? Fondamental. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? C'est un truc que j'ai vraiment pas apprécié voir tout à l'heure, Mazarou.
quand ton père t'a attrapé avec ton ami Maka. C'est ton ami Maka ou pas? Bah, je le connais de... je le connais depuis ce soir, c'est tout. S'entraîner quoi, un peu. On va dire mais que c'est mon ami, ouais. Je veux dire, vous avez fait la mission, vous avez fait la mission l'autre fois. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'avais oublié, tu vois. Des trucs de son plein gré. Tu vois, vous êtes, pour moi, vous êtes de bons collègues, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est vrai. Maintenant, un truc qui m'a pas plu, c'est quand ton père t'a attrapé avec lui en train de t'enseigner le taijutsu, tu t'es écrasé face à ton père et tu n'as pas hésité à jeter ton ami sous le bus. Pas nécessairement pour te mettre en valeur, mais pour passer pour moins un bon à rien aux yeux de ton père. Ça, bah... c'est un truc dont j'ai horreur. Mais non, j'ai pas fait bah ça, non, je lui ai dit. Coûte que coûte. Je l'ai défendu. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas non plus. Ah bon? J'ai pas sauté pour lui, mais. C'est pas la meilleure des défenses, quoi. Ouais, non, mais je l'ai pas laissé non plus tout seul. Je l'ai un peu défendu, je l'ai pas laissé. Mais c'est vrai que, ouais, j'aurais dû montrer un peu plus d'entrain. Moi et mes fils, on l'a vécu comme ça, je veux dire. En fait, c'est pas que ça manquait d'entrain, c'est que ça manquait de. En fait. Je l'ai un peu def. On a dit que tu prenais pas position, quoi, comme si tu te plaçais. C'était même pas de la neutralité, c'était de la passivité à ce niveau-là. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai aucun problème avec la neutralité, Mazaru. Moi-même, je suis neutre. Je suis issu de deux clans, le clan Uchiwa et le clan Senju. Quand il y a des conflits entre ces deux clans, je dois garder une position neutre. En revanche, la passivité, ça, je ne peux pas blairer les gens qui sont passifs. Faut pas confondre neutralité et passivité. Bah, il est là-bas. Très bien. Je pensais l'avoir défendu, mais... c'est aussi un peu dans mon caractère, en général. Comment ta posture de combat? Non mais tranquille, je veux pas que non plus tu te braques. Oh pardon. Désolé. Ah oui d'accord. J'ai entendu combat, c'est okay. Parti d'un coup. T'es de... ouais t'es explosif, ça rigole pas. J'ai pas envie de te voir avec des techniques de haut niveau là, encore c'est des petites boules de feu, mais imagine toi mettre une tornade de feu au milieu du domaine. Non, ça n'arrivera pas. Je vais me contrôler quand même. Bah pas tout le temps mais... Tu voulais voir ma posture de combat? Mais voilà. Ouais ta posture de combat ok donc t'es de la classe cuirassée. Je sais pas si on te l'a déjà enseigné. Bah tiens lui je vais la ramener tiens. Je l'ai vu depuis tout à l'heure aussi. Ok Blitzcrank. Waouh elle va aussi loin? Ça va pas. Parfait, je vais pouvoir te l'enseigner avec lui. Vous êtes tous les deux de classes différentes. Je veux que comme un félin, Mazaru, tu puisses analyser ton adversaire. Ok, très bien. Tu peux le faire de différentes manières, mais la manière la plus fiable, je vais te demander de te mettre en posture de combat, Maka. Ah. 3 heures, c'est la fin. C'est la fin pour de vrai? Il y avait un entraînement. Non, il a juste...